Et salut à toutes et à tous, c'est Voxy, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour le let's play de Spider-Man. On se retrouve pour l'épisode 4. Alors c'est parti. Alors je suis vraiment désolé pour le retard que j'ai eu, presque une semaine, voire même plus. Alors je sais plus du tout où on en était, je sais qu'on avait eu la tenue là, enfin une tenue un peu blanche. Je sais qu'on avait eu ça. J'avais galéré à faire la mission, enfin l'ancienne au niveau du chantier. J'avais un peu galéré. Bon, après j'avais fait une petite ellipse, puis ça a été tout seul. Alors je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire, je sais plus rien. Je sais juste qu'on s'était laissé tout en haut d'un immeuble. Alors, voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Ouais, c'était en bas normalement où j'étais, mais ouais, pourquoi pas. La map, ok, c'est pavé tactile. Wow. Trop bien, il détecte qu'on est en hauteur. Ouais, bah on va aller au point. J'avance quasiment à l'aveuglette. Il faut que j'active d'autres tours. Comment on fait pour descendre tête? Ah, comme ça, voilà. J'ai un peu perdu les touches, mais normalement ça devrait y aller, les gars. Ouais, alors. Ouais, c'est là où que j'étais, quoi. Allez, une petite photo. Bon. Voilà. On a pris une photo, youpi. Et ça va servir à. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Prendre le monument. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Ok. Oh la vache. On va en avoir des monuments. Alors attendez les gars, il y a les monuments. Bah là il va avoir ça à aller chercher là. Ouais. Alors. Allô. On va attendre un petit peu. Ils vont nous donner une mission à coup sûr. Pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. On va aller se chercher. Ouais, attendez. On va aller se chercher. Le petit. Comment ça s'appelle? Ah zut, voilà ça. Ouais, on va désactiver la caméra. Ouais. Bah il est où le truc? Ah bah il est juste là. Allez c'est parti. Ok bah c'était easy hein. Alors attendez les gars. Voilà. Ça c'est bien en fait que le jeu soit... Comment dire? Le jeu avance en fonction des missions. Enfin là il va se passer l'anniversaire de la grand-mère si j'ai bien compris, de la tante May. Et vu que le gâteau est bloqué dans les embouteillages, on a du temps libre. C'est ça qui est grave bien en fait. Ouais bah j'ai pas que ça qu'à faire. Quartier de nomades. Salut Peter, tout est prêt pour la fête. On a ok. Cool, je me mets en route. Tiens, j'ouvre ça. Enfin, je décrypte ça. Ok, alors attendez, c'est où? Ok. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo en accéléré bien sûr, avec un petit peu de musique, où je vais ouvrir tous les petits satellites comme ça, où je vais ouvrir vite fait tout ça. D'accord les gars? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse ça. Bref, là c'est parti, on va y aller. En vrai les déplacements ils sont grave rapides, ça qui est bien.
Ouais, les monuments, on fera ça plus tard. Localiser l'activité R3. Non, 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 non. Il y a la police pour faire ça. Moi, je dois aller faire temple, mais... Alors, si vous avez pas encore compris, les gars, tout ce qui est mission jaune, enfin, tout ce qui est point jaune, c'est les missions principales. Oh la vache. C'est le labo ça. Où j'ai mis mon sac. Bah quoi, il me dit appuyer sur carré, non? Ah, triangle. Désolé pour les bruits de chaise, les gars. Hein. Ok. Alors. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Welcome feast. Wow. Salut. Carter Ligno, oui bah oui bah. J'ai pas vu. Ah c'est là, ok. Bah bien et toi frérot. C'est toi que je dois voir. Ah Martha, désolé pour le retard. Ouais, ok c'est bon. Et c'est s'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. En fait, c'est quoi? C'est ah non, ouais, bah je sais toujours pas c'est quoi. Ça, une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes. Non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour. J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter. Tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent. Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre Amélie et toi. C'est une fille très bien. Je sais. Et tous les deux, vous faisiez de si beaux bébés. Peter. Qu'est-ce que c'est? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années... Tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. D'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, tante May m'a toujours dit que sauver une personne, c'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Ok, re les gars, alors là on vient de recevoir un message, alors oui, encore désolé pour la coupure les gars, en fait je préfère faire plusieurs coupures et être sûr de... Je suis sûr que au moins le gameplay, vous voyez, il n'y aura pas de fail comme l'épisode 2, j'ai pas envie que ça se reproduise, alors... Je tiens aussi à m'excuser pour tout ce qui est miniature. D'avoir des miniatures dégueulasses. Je tiens franchement à m'excuser les gars. Mais bon. Désolé quoi. Dès que je peux, je ferai des bonnes vidéos de bonne qualité. Ne vous inquiétez pas les gars. Alors, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Ouais, le message. Qu'est-ce que... Alarme silencieuse de la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de fils. Vous pouvez... Attends. Hop. On met juste le marqueur. Je ne veux pas faire des bruits pour rien. Les biens de fisc, génial. Je me demandais ce que Skin King cachait dans ses placards.
Ok, alors là on a 2 km à faire, ça va aller vite normalement. Alors si j'ai bien compris, il y a Fisk, un truc dans le genre. Son alarme vient de se déclencher, enfin l'alarme silencieuse. On va voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ah ouais, je me vois. Ok, alors... on va aller faire ça et puis je pense qu'après on arrêtera. Hein. Vu que ça passe vite. Après, dites-moi si vous voulez que je fasse des lives sur Spider-Man aussi. Normalement, je vais voir pour faire les vidéos. Attendez. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, mais... après avoir perdu mes parents, oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si tu n'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le fâches. Mais, je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que monsieur lui a besoin de mon aide. Je dois y aller. A plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Ok. Alors, allez où? Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'il me repère, il la tuera. Je dois agir en silence. Yuri. L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Ils ont l'air si mignons en étouffés comme ça. Pourvu que ces types ne cherchent pas à s'emparer du territoire de Kingpin. J'espérais au moins avoir un week-end libre. Ok, re les gars, désolé, mon micro avait bug, il s'est coupé. Alors attendez. Je devrais le piéger d'en haut. Y'a rien sur sa bouche, mais bon. Bref, on va descendre. Quelqu'un proche. Il veut y voir ici.
Ok. Dites-moi, où est-elle? Toi, je vais te défoncer. Tease, Peter, les méchants vont devenir très méchants. Yo, Kyla. Attendez. Voilà, triangle. Mais ça appartient. Bouge pas. Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça. Bam. Hey, Peter. C'est qui? MJ. La même chose que toi. Je travaille. Enfin. Je travaille. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robin, on va couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robin ne sait pas que je suis là. Et le bus, c'est pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Je peux vous aider. Bonjour, Marie-Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée. Mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolée, mais... Je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la nuit. Je sais pas trop... Truc sur la toile expressionniste. Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig, laisse tomber. Faut salaire. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la... Ah, c'est nous. D'accord. Cool, on conduit la meuf. Wow. Que fils que se voyait là-dedans. Un grand homme prêt à faire ce que nul autre ne ferait. Il est tellement égal. Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener. Cette image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. Bref, moi je m'en fous, je veux savoir qu'est-ce qui se passe après. Moi quand vous voudrez commencer. Ça marche. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Un petit sacrément. Oh, magnifique. C'est un mifumet? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ok. Bref. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux nios sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui? Non. Non. Bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué.
Regardez les fines incrustations dorées de ce service assez rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Voilà, on va prendre la meuf avec. Maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres... Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Comme mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Ouais, comme une commande l'autre. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous avoir, au sujet des activités des fils? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je prie. Je peux pas. Oh. Wow. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. Mais. Allô? Greg? Tu m'entends? Greg, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien. Suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. J'ai tout défoncé. Et c'est la dernière fois que vous voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Regardez, je rentre court. On va aller prendre les toilettes en photo. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que je change dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon dieu. Ouais. Mmh. Je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Greg. Oh, elle a pas l'air l'air-tente. Non, sans blague. Oui, c'est très clairement une menace. Bien sûr, Greg. C'est ça. Je ne te crois pas. Bien sûr, Greg. C'est ça. C'était... D'accord, elle m'a vu, mais elle m'a pas vu. Fils qui s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police s'est appris? Je sais que cette statue se sent. Mais comment? Je me demande s'il y a des indices ici. C'est le mur derrière eux. Sans ce qu'il est différent. Comment on pourra l'ouvrir? En fait, j'ai pas tout compris. Il y a que ça quoi. Ah, on peut examiner. Il tient quelque chose. Ouais, et ça? La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Si j'ai bien compris, on a trouvé là. Peut-être que c'est...
Attendez. Tac, tac, examiné. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Alors. Paume droite en avant. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ouais, bah non. Il y a quelque chose dans la main. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'était là. Attendez. Il tient quelque chose. Ouais, bah c'est ça. Non, c'est ça. On va prendre. Voilà, voilà. Trop fort. Qu'elle a fait? Ah. Excusez-moi, monsieur. Non, non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. Trouvez dessus. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici sans qu'ils occupent le bâtiment. Bon. Ok, retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Ok, voilà, je viens de faire une toute petite coupure, les gars. Je préfère faire des coupures que ça foire, hein, je vous l'ai déjà dit. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Ouais, mais si je fais ça... Ah. Échec de la mission. Bah ouais, mais tu veux que je fasse comment? En fait, je sais pas pourquoi, mais le con, en fait, il a été dessus. Que normalement, il devait juste le coller. Il devait juste le coller, putain. Attendez. Tac, tac, tac. Oh là là, mon gosse. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers l'avant. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qui se contient, ce type de lasse-poix? Des notes sur le truc du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier toi. Merci.
Voilà, c'est bon, c'est fou. Non, même pas. Oh putain. Comment ça me saoulait là? Ouais, et puis le chargement, il met 3 plombs. Comment tu veux que... Attendez. Comment on pourrait y arriver? Attends. Ouais, ok. En fait, lui, il faut le laisser. Mais putain, mais... Je dois rester discret. Oh allez, lo. Waouh, fils, il y a des tonnes de trucs. Une pièce à la fois. Je dois dégager celle-là avant de continuer. Oh putain les gars, je vois que dalle moi. Alors vous allez rien voir la vidéo. J'espère que le rendu sera bon, hein, j'ai envie de te dire. Bon, la salle est sûre. Ok, re les gars, désolé. Alors attendez. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la technique. Alors. Oh là 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 là. Oh la conne, elle s'est fait choper. Oh le bâtard. Arrêtez. Non. Oui bah ça c'était sûr. Hein. J'ai jamais affronté de fantôme, moi! Enfin,
J'ai affronté des specs. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des specs, mais tous les specs sont pas des fantômes, vous savez. Ah ouais, on dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes. Tant pis, je garde combattre. Easy. Easy, les gars. Oh la vache, toi t'as pas l'air de rigoler. Wow. Mais vas-y, lâche-moi toi. Non, oh. Là c'est pas du jeu là les gars. Eh, c'est pas drôle là, j'ai esquivé hein. Le cardio, c'est fait. Ok, ça c'est bon les gars. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ok, encore une cinématique. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Oh. Il y a les flics. Je viens par là, Greg. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ces... Mary-Jane Watson, de Libugel. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais. Et qu'en est-il des objets volés que le fisc a blanchi dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Ouais, ça va. Chez lui? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Je te parie, il est sur le toit, non? Non, je croyais qu'il était sur le plafond, en train de le regarder, non. Ok, une mission qui se termine bien. Alors, désolé encore, les gars, pour la cinématique, la toute petite coupure... Mais bon, encore une fois appelé. À chaque fois que je suis en vidéo, il m'appelle. Mais quand j'y suis pas, il m'appelle jamais. C'est ça qui me fait rire. Bref. Depuis quand Nick est devenu italien? Aucune idée. Mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes. Les meilleurs de la ville. Alors, comment ça se passe au Google? Eh ben. En fait, Roby vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués. T'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Hitchcock. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais... Les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens, c'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Eh bien, pour... un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir en ce sens. Je vous ai toujours bien aimé.
Ok les gars, alors là, je n'ai rien capté à ce qui vient de se passer. J'ai rien compris du tout. Et bah là, on va reprendre comme d'hab. Hein. Ok, niveau supérieur, cool. Hey, c'est moi. Je viens de voir des unités sur la troisième. Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schulz. Non, ça, je m'en fous. Tenue carte. Ah, nouveau. C'est moi, il y a plein de tenues. Ouais. Wow. Et pourquoi on peut pas la prendre celle-là? Bref. Fabriquer. Ah, celle-là, je peux la fabriquer. Équiper. T'es en train de me dire que ceux-là, je les ai? Ouais, mais bref. La carte. Bah, je pense qu'on va cesser là-dessus, les gars. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, les gars, puis on prendra ça. Maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Bref, on va se laisser là-dessus les gars, et le bonhomme, on ira le voir dans l'épisode 5. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker ou à disliker pour savoir si cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que j'aille faire tous les petits satellites dans une vidéo en accéléré, hein, comme la préparation pour l'épisode 11 que j'ai fait sur Minecraft, un petit accéléré avec un peu de musique, patati patata, voilà quoi. Et n'hésite pas à t'abonner si le contenu de ma chaîne te plaît. Bon allez, ciao les potos. 1, 2, 3.